welcome back to day two of the Super in the LEC here. Origin is out of playoffs contention and SK just made their spot into playoffs. I had Genax with me to talk about this victory. Thank you very much, Genax, and congrats on reaching playoffs. Thank you very much. This is amazing for you guys. You just reached playoffs after missing out last year after the tiebreaker against Vitality, I think. So how does it feel, this new taste of the season? I mean, this season has been much better for us, right, than all our seasons. Not talking about first split. First split was a disaster, but this one has been going pretty well so far. And we can also like show it, or like I'm proud that we are like showing it, especially against the good teams. We are losing against bad teams sometimes, but it happens, right? But yeah, I'm pretty happy with how the split went so far. Yeah, tell me about your journey as a player. As you said, spring split didn't work out that well, but I mean, your role swapped in between. I mean, tell me about your journey as a player and how you grew up here within SK. I mean, for me, it was mostly all the time about confidence. Like when I was a mid laner, I could feel that I was not confident in the champions I played and the way I played my champions. And now in top lane, I'm way more confident, which shows in some games, I would say. I'm not really playing to my level right now, I would say. Especially last 2 weeks, I didn't play too well, but my team stepped up for it, so that's pretty nice. It's a team effort after all. I mean, you tell me that you feel more confident on top lane than in the mid lane. How do you explain that? I mean, and how does it work within SK, the synergy overall? I mean, I'm just more confident because the top lane champions are more aggressive in team fights than the mid lane champions. So like the mid lane champions have to play much more with control. And I feel like on top lane champions, I can be more creative with flanks and stuff like this. So it just fits me more. We'll see if there's a meta shift now to put you in a new challenge maybe on the top lane. But for now, you guys reached playoff. We'll be seeing you guys in best of five. The standings are still to be decided. We'll see about that tomorrow. But I mean, you were praising your teammates, saying that you didn't perform as well as you would expect for the past few weeks. So yeah, tell me some praise about your teammates, how they helped you reach playoff. I mean, it's like every game that matters for us, we get into the zone and we are really focused. And I feel like especially today, Zaza really overperformed. He did a really good job in team fights, and his ults were always really good. So he really stepped it up. And yeah. Looking forward to see more of you in the best of five series, of course. Is there any last words you would like to say to the community who's been supporting you so far? I mean, I've never really was in the spotlight much when I was a mid laner, and now that I'm a top laner, I'm happy that people like recognize me as a player and respect me for how I play. So yeah, I'm thankful for that. I'm very glad you found your style on this new lane, on top lane. Genax, thank you very much for the interview and congrats again on reaching playoffs. Thank you very much. And we'll see more about you tomorrow. And I will see you in a few minutes for an interview with Reckless. Stay tuned. Et nous sommes de retour. Excel contre Fnatic. La draft s'engage directement. Fingin. Et on va directement poser les enjeux du match. Ils sont simples. Si Excel gagne, ils sont qualifiés pour les playoffs. Si Fnatic gagne, est-ce qu'ils sont qualifiés? Ils sont pas forcément qualifiés, mais ils sont en très bonne situation. Si Fnatic gagne, d'autres équipes sont éliminées. Par exemple, Vitality et Misfits. Misfits qui du coup joue juste après face à G2 et qui est déjà en position défavorable. Mais les Fnatic, s'ils veulent s'assurer une vraie chance d'aller en playoff, sont déjà sur la corde raide. Oh, attends. Alors, l'homme que vous voyez à côté de Mitki, c'est Shaves, qui est le nouvel analyste de l'équipe. Et c'est assez intéressant parce que Fnatic performe énormément au Spring avec un autre analyste qui s'appelle Vegard V2. Et il est parti entre deux splits. Et Fnatic stuck sur ce Summer Split. Alors, je vais pas tout remettre sur l'impact d'un analyste, tu vois, mais parfois un membre du staff très compétent qui part, ça change beaucoup la donne. Et Vegard V2 était assez encensé en général. Voilà, donc
ça rajoute un peu au cost potentiel de la situation de Fnatic. Est-ce que les Fnatic ne payent pas aussi le prix de leur adhésion à l'église de LS? À l'église de LS? Ouais, LS, le coach sous-marin de Fnatic. Par contre, la Senna récupérée du côté des Fnatic très très tôt dans la draft, accompagnée d'un Kha'Zix. Kha'Zix blind en plus de cela. Curieux du côté des Fnatic. En plus, on a laissé la Kalista de Patrick. Après, face à une Senna glacial augmente, ça peut être géré. Allez, Excel qui vont valider le Kalista. Tariq, bien sûr, hein, une botlane qui leur a fait connaître de belles games. En particulier, on se souvient de la dernière game de Patrick avec sa Kalista. Oui, non, c'était un sacré délire la dernière game de Patrick sur ce champion. Donc attention, les Fnatic sont prévenus, ça va bouger bot. Ok. Syndra pour Nemesis, du coup, face à Orianna. Pas un match-up des plus évidents non plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on banne? On va banner de la top lane potentiellement, un peu de jungler pour essayer de mettre self-made dans de bonnes conditions. Est-ce qu'ils pourraient banner dans la jungle les Fnatic qui pourraient vraiment gêner peut-être Lee Sin? Lee Sin, c'est Joanie. Ils bannent Wukong. Alors du coup, bon, j'imagine que Fnatic va garder le last pick pour Bwipo. Bwipo, on en a parlé pendant le pré-show, il fait vraiment un très très mauvais summer split, très très loin de ses stats du spring. Mais il devrait avoir un counter match-up contre Kraes, qui est un joueur qui aime jouer des carries. Je sens bien Kraes jouer une Camille par exemple en blind. Ah non, elle est ban. Donc pas de Camille, pas de Wukong, pas de Gangplank. Qu'est-ce qu'il va pick en blind? Est-ce qu'il va s'aventurer sur un Renekton par exemple? Renekton. Un bon pick, un Renekton en blind. Horn, Kennen. Kennen aussi qui peut marcher. Il joue pas vraiment de tank. Il y a Kennen aussi, alors c'est vrai, à l'asiatique. Un pick de réintroduction du côté des Fnatic. On va devoir sécuriser probablement un support. Oh, il banne Shen. Zilea, ils sont bizarres les bans des excellents. Ah, est-ce qu'il y a eu des choses très dans solo queue peut-être? Peut-être. Rakan du coup pour les Fnatic. Ok, alors un des tout meilleurs champions de Lissang. Ça doit pas être si mal que ça, je pense, contre Tariq. Je pense que c'est très difficile pour le Tariq de mettre un CC sur le Rakan. Oui. Après, la synergie avec Senna n'est pas forcément des plus évidentes. Ouais, je suis d'accord. C'était déjà lié le cas hier avec le Pyke, Kai'Sa, le duo des Fnatic était vraiment bizarre. Hein. Beaucoup de gens ont tendance à dire que Fnatic a un peu drafté les picks favoris de chaque joueur et on y va. Sion du coup, ok, donc on va avoir un tank pour Kraes. C'est assez rare. Sion, est-ce que ce serait pas le moment de sortir le Shogat pour la Bwip? Et du coup Lee Sin, bon champion pour gêner Kha'Zix en early game, drafté par les XL. Je verrais bien aussi un petit Vladimir qui pourrait bien marcher sur Bwipo. Mais le Shogat qui a l'air d'être préloc. On avait préloc une Griven aussi, mais très peu probable. Hein, quand très même. Bon champion anti-tank, Shogat. Très très bon champion anti-tank. Ces pick Vorpal notamment permettent de trade vraiment dur. T'as énormément de wave clear. Et on a vu le match-up hier entre Wunder et Genax. Ouais, c'était Genax. Et Genax. Ouais, ils ont joué contre SK et ça s'est super bien passé pour Wunder. Wunder qui nous avait fait un sacré build d'ailleurs, hein, avec l'Hydre Titanesque. Il était sur Poigne de l'Immortel, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, full tank, auto-attaque. C'est vrai que Wipo, les dernières fois où il a joué Shogat, il partait sur Glacial Augment. Ouais. Mais j'avoue que contre un tank comme Sion, oh, ça peut valoir le coup de partir à la poigne. Hein. Très largement. Ce qui te donne un sustain de fou furieux avec Shogat, parce qu'en plus, tu sustains sur tous les creeps que tu tues. Donc voilà, alors les drafts sont complétés. Attends, c'est un Alistar pour terminer du côté des... Hein? Mais non? Non, c'est... Non, okay. Non, c'est un Alistar normalement. Oui.
Allez, on est parti, Excel contre Fnatic. On se rapproche de l'échéance finale pour toutes les équipes du LEC. Les Excel, s'ils remportent ce match, sont qualifiés en play-off. Les Fnatic, s'ils remportent ce match, mettent fin aux espoirs de Vitality et de Misfits notamment. Mais ils ne sont pas complètement qualifiés. Non, clairement pas. Les Fnatic qui ont déjà eu leur première grosse défaite face à Schalke, et avec la manière du côté des Schalke 04 qui nous l'ont encore montré tout à l'heure, et ils doivent désormais triompher des Excel s'ils veulent garder toutes les chances entre leurs mains. Et Bwipo du coup qui a décidé de jouer Glacial Augment, on en parlait. Bah il y a Kalista quoi. Il y a Kalista et Orianne, enfin bref. De toute façon, Glacial Augment, c'est un superbe outil de pick-up. À partir du moment où tu as ton GLP et tes ombres jumelles, Shogat devient une menace pour tout le monde. Tu peux catch très facilement à n'importe quel endroit de la carte. Et ça peut aussi permettre d'avoir des setups beaucoup plus faciles pour des enchaînements de Syndra, pour des caches du Kha'Zix, pour le Rakan. Donc c'est, bon, l'utilitaire ouais. est très très cool, hein. C'est sûr. Et c'est un peu moins fort dans le duel face au Sion, je pense. Et on va voir si Kryze va réussir à trouver des opportunités avec ce dernier d'ailleurs. Peut-être aller chercher un gank avec Kaedrel, Lee Sin qui peut toujours faire des merveilles bien sûr, mais c'est pas forcément du côté de la top lane qu'on voit ce Lee Sin évoluer le plus favorablement. Peut-être aller chercher Nemesis qui joue sur une Syndra, qui peut manquer d'escape, ou Reckless qui avec Senna, sans son E, peut être très vulnérable. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bwipo qui est allé pool. Et on se retrouve au niveau de la top lane. Alors Kryze du coup sur un tank, je crois que c'est son premier tank du split. Il me semble que c'est son premier tank du split à Kryze. On va vérifier, mais un joueur de carry autoproclamé. Self-made. Alors qui enchaîne hein, de son côté avec ce pick Kha'Zix. Ouais, premier tank. Il a joué du Vlad, si on peut appeler ça un tank. Non, mais c'est sinon, c'est. Voilà. Ouais, Vlad, Camille, Wukong, Kayle. Kayle, Gangplank, que tout, du carry. Ouais, tout sauf du tank. Donc premier tank pour Kryze, c'est intéressant. Après, Sion, c'est un tank qui prend un peu carry. Ouais. A voir si on va trouver les bonnes, ouais. Alors, bonnes ultimates. Un truc qui va être intéressant à voir aussi, c'est est-ce que Bwipo va réussir à construire un avantage. On le disait, son niveau individuel est assez faible sur ce Summer Split. Il est très loin des standards qu'il avait au Spring notamment. Et hier, entre autres, il n'a pas du tout réussi à créer d'écart avec Renekton contre Camille. Je pense que le peu d'avantages qu'il prend dans des match-up avantageux, c'est un signe de la santé. Du niveau de jeu du joueur et actuellement c'est pas brillant, il faut le dire. Donc on va aussi surveiller ça. Est-ce que Bwipo arrive à créer de l'avantage? C'était une de ses forces normalement dans des bons match-up de pouvoir le faire. Et de pas finir en 0-3 à 15 minutes de jeu. Oui, effectivement. effectivement. Ah, il sent que peut-être pour aller chercher Toré. Oh, Toré. On va bien esquiver du côté du Taric. On va pouvoir se repositionner quand même le passage niveau 3 de Lissan qui dans tous les cas permettra d'aller chercher le dash. Selfmade qui est sur la top lane, forcer peut-être le flash out du côté du top laner d'Excel. Ça a failli être décisif là-dessus, mais on aura quand même pris le flash et on pourra s'échapper. Ouais. Dommage pour la rupture de Bwipo au début de l'action. Et bon, après, rupture sans aucun setup à toucher, en full mouvement. C'est pas toujours évident sur une lane ouverte. Ça aurait pu donner le kill au Fnatic, hein, tout ça. Du coup, ça met Bwipo dans de bonnes conditions. Kryze est forcé de TP. Et Bwipo étant donné qu'il push la wave et qu'une autre arrive là, alors est-ce qu'il va pouvoir rapidement récupérer la wave Bwipo? C'est la question qu'on se pose. Là au top il se passe des choses assez importantes je pense. Est-ce que Bwipo va pouvoir conserver sa TP et peut-être du coup avoir de l'impact sur le bot side pour les Fnatic? C'est une question. Selfmade en tout cas très actif pour l'instant sur son Kha'Zix. Premier gank topside, le deuxième gank au niveau du bot qui pourrait être assez décisif. Lee Sin qui peut trouver un bump à tout moment pour aller chercher Toré. Et on est complètement invisible pour l'instant du côté de Selfmade. C'est pas glissé dans l'alcove Selfmade. On reste dans ce buisson. Mais le problème c'est qu'avec la situation des creeps, eh bien les Excel devraient pas vraiment pouvoir reprendre l'ascendant sur cette phase de jeu. Et Kaedrel qui ne pointe pas le bout de son nez également. Et du coup Fnatic qui peut avancer et qui devrait avoir un bon reset. À moins qu'il décide de continuer. On peut aller chercher l'alarme du côté de Reckless assez tôt. Après ça lui concéderait beaucoup de pressure de wave. Il va prendre cette wave hein. J'ai l'impression qu'ils attaquent cette wave hein, les Fnatic aussi bot. Ils peuvent se le permettre encore. Patrick n'a plus beaucoup de mana.
Et du coup, les extirpations peuvent être problématiques. Mais Patrick, qui par contre, lui, a eu le temps de faire son bac et d'aller chercher un abatteur. Oui. Et du coup, ça manque d'un reset pour les Fnatic. Un Reckless qui reste là. Bon, il devait manquer des gold pour avoir les items qu'il voulait, Reckless. Et aussi sur Nemesis, sur Special également. Pas de gank du côté de la mid lane. Kaedrel qui va bientôt passer niveau 6, cependant avec son Lee Sin, le passage niveau 5 qui a dû se faire il y a quelques instants. Et Kryze qui a récupéré l'assaut inarrêtable avec son Sion. Gros regroupement autour de la top lane. Illisang et Selfmade qui font le mouvement. Est-ce qu'on peut aller forcer sur le Sion? Ça va être intéressant. Il a plus de flash, Kryze. Donc là, il vient d'avoir son ulti. Est-ce que Bwipo peut se mettre devant? Bwipo, il se met devant. C'est bien joué, hein, le déplacement de Bwipo. Et Illisang qui intercepte parfaitement pour empêcher l'arnaque de Kryze et les Fnatic qui prennent ce First Blood. Excellent du côté des Fnatic, Illisang qui a parfaitement lu la tentative de Kryze et qui pourra du coup forcer le First Blood sur la top lane. Bwipo qui ne le récupère pas, mais prendre le snowball sur Selfmade, c'est quelque chose de très positif tout de même pour les Fnatic. Reckless de retour, bon, ce mouvement top qui effectivement engage le dragon pour les XL. C'est difficile de contester. Hein, ouais. Réponse assez classique en cross-map. Hein, Excel qui a vraiment bien amélioré son jeu récemment et qui exécute automatiquement ce genre de situation quand ça se présente. Bwipo qui a pas fait son reset encore hein, depuis le kill de tout à l'heure. Le prochain bac de Bwipo qui peut être assez décisif hein, sur le Shogat. On va avoir de quoi aller chercher très probablement le début du GLP, le chapitre perdu. Qui du coup va lui donner énormément d'endurance en lane. Avec le passif de Shogat en plus, il devrait avoir de la mana assez largement pour tenir sur le long terme. Counter jungle de Kaedrel, Kryze, hein, entre les deux tours, hein. Ça manque d'un reset pour Bwipo, on le sait. Et Kaedrel n'est pas loin. Est-ce qu'on va pas tenter quelque chose pour l'Excel? Ah, ça a l'air d'être parti. On a quand même le flash à disposition du côté de Bwipo, mais on a manque de mana. Et ça peut être compliqué. On a plus d'ultimate du côté de Kryze, on a plus de flash non plus. Et du coup, par contre, on va bien pousser avec le kick pour aller chercher Bwipo. La passe. La passe dans le Q-spell du Sion. Elle était réussie celle-là, passe décisive de la part de Kaedrel. Bon, tellement décisive que lui finit le travail aussi au passage. Mais ouais, bien joué, hein, bien joué. Et Bwipo qui pourra peut-être regretter de ne pas avoir fait de reset plus tôt. Et sa mort, il a sa fameuse mort avant les 15 minutes, sa mort réglementaire. Espérons pour Fnatic qu'il n'en ait pas d'autre. Pour l'instant, du coup, côté Fnatic, on récupère de la priorité sur le bot side, bien sûr. On donne des golds à Reckless. On va chercher le counter jungling pour Selfmade. Mais Kaedrel qui lui va chercher l'euro de la faille. Et Bwipo qui est en retard. La rupture qui ne passera pas. On ne pourra pas punir le jungler des XL. Les XL qui jouent bien ce début de partie. Et les Fnatic qui sont plus en réaction qu'en action pour l'instant. Ouais, les Fnatic qui. On met pas de swap en place ou autre. Hein. On full focus sur la bot lane. Et du coup, Kaedrel qui récupère le Herald. Qui n'était contrôlé par personne. Bonne nouvelle pour Excel parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller attaquer de la plaque. Et par contre, j'ai l'impression que le Senna Rakan tient très bien le coup finalement. Oui. Ça push bien. J'ai pas l'impression que le duo d'Excel puisse vraiment prendre de l'initiative. Reckless de retour avec Samanamun. Il sent qu'il va essayer de bien freeze cette wave. On va essayer de gérer le back des XL là-dessus. Patrick qui est obligé de reculer. On va potentiellement avoir les bots de Berserker hein, pour le carry AD des XL là-dessus. On a bien farmé l'abatteur. On va pas tarder à avoir la transition vers le mid-game. Et à ce moment-là, les XL qui vont avoir quand même un gros timing à jouer avec des press air assez dévastateurs. Celui de Patrick, Toré bien sûr, et le combo avec Kryze, Kaedrel et Special qui peut être assez dévastateur. Kaedrel qui a fini son item jungle. Hein. De son côté, on est à armes égales avec Selfmade. Un kill pour les deux joueurs. Selfmade qui cherche. Ils n'ont pas moyen de trouver un kill sur la mid lane, Fnatic.
Il y a le flash sur Special, donc c'est pas si évident. Il va être scouté, self-made. Attention, peut-être une prise d'initiative. Il sent qu'il est directement stoppé par l'ulti de la Kalista. Et on a eu un ulti Senna qui est parti également depuis la bot lane. Mais les Fnatic abandonnent le fight. On va sans doute se retrouver d'ici 1 minute 30 au niveau du dragon. Mais les Excel ont la possibilité de fixer une lane des Fnatic pour aller prendre ce deuxième dragon. Est-ce qu'on renforcerait pas un peu l'ulti sur Reckless là-dessus? On a l'ultimate de Tauré encore. Il a son flash qui a Edrel. Mais. Alors, il a, ok, il a une pink ward. Reckless qui repère les deux joueurs Excel. Et qui s'enfuit. A raison. Mid Special qui décale avant également. Nemesis qui devrait peut-être avoir plus de priorité quand même dans ce 1v1. Et en parlant de priorité, à ce stade-là, la partie, Winder avait récupéré 26 d'avance. Le route qui va toucher peut-être sur Patrick. On a le flash à disposition. Mais on fera quand même forcer le heal du carry ADD Excel. Cependant, priorité botlane en faveur de ces derniers. Et pour l'instant, Kaedrel qui rôde. De toute façon, c'est pas qu'ils font beaucoup de dégâts. Kaedrel qui insiste. Kick. Je pense qu'on voulait vraiment mettre un maximum de dégâts 30 secondes avant le dragon. Pourquoi pas pour Kaedrel, mais surtout il cherche le bon endroit pour mettre le Herald. Alors là on traîne beaucoup et on trouve l'opportunité finalement sur le bot side. Ah, j'ai l'impression que Patrick et Tauré ont fait leur travail. Avec Kaedrel c'est le moment de le poser, hein, ce héros de la faille. Oh, le stun de Nemesis, Special qui résiste pour l'instant, l'arrivée de 7 mètres, la shockwave sur deux joueurs, Special qui va survivre. Et derrière, ouh, Kryze qui passe au milieu des deux joueurs Fnatic. Et c'est fait le petit pont. Mais pour l'instant, du côté des Excel, on a quand même la priorité botlane. On va récupérer dragon, quasiment la tour. Et le dragon qui leur tend les bras. Tauré qui a déjà fait le décalage. On va tranquillement pouvoir récupérer ce deuxième dragon. Et potentiellement accélérer vers une âme du dragon. C'est récupéré pour les Excel. Allez, les Fnatic ils sont toujours un petit peu tremblants, j'ai l'impression, Chips. On n'ose pas, on n'est pas en avant. En réaction surtout, on a eu un move actif du côté des Fnatic, c'est sur la top lane, pour essayer de donner un kill hein, sur self-made. Mais derrière, on a été très très lent, très dans l'attente, j'ai l'impression. Il sent peut-être le chunk trouvé par Patrick pour aller chercher l'extirpation. On va faire un bon tir HP peut-être. Non, on n'est plus à portée pour Patrick. Kaedrel qui a eu un bon impact hein, sur cette early game et qui continue à insister autour de sa bot lane. On joue vraiment à 100% pour le bot du côté d'Excel. Normal, là où je pense que du côté Fnatic on devrait vraiment essayer de faire snowball la mid lane. Mais on n'a pas vraiment réussi là où le bot d'Excel a pu prendre des plaques. On a deux dragons. Cette Kalista qui pour l'instant est en place. Mais attention, Kalista ça se fait outscale par Senna. Et ça peut quand même être le danger potentiel hein, pour les Excel. Il faudrait plus que ça encore. Il faudrait des kills potentiellement glissants qui va charmer. Est-ce qu'on va mettre tout le... C'est pas suffisant pour les Fnatic. Kaedrel pourra se repositionner. Bon, Selfmade qui est là, peut-être avec son Kha'Zix. Peut-on trouver une opportunité? En tout cas, on vient juste shadow la présence de cette botlane pour aller défendre la T1. Mais sur la prochaine wave, de toute façon, c'est complètement mort. Les Excel qui le savent, qui vont laisser passer le reset de Reckless et de Illisang et tranquillement récupérer cette T1 au bot. Ouais, bon, pour l'instant statu quo un peu entre les équipes hein, au niveau des golds, mais quand même, les objectifs sont bien mieux joués par les Excel. Illisang, un nouveau roam, potentiellement. Timing de reset de Reckless, donc là, Illisang a le temps de faire un peu ce qu'il veut sur la carte. Et a priori, on se donne rendez-vous au Herald. Alors, Kryze n'a pas de TP. Donc là, les Fnatic sont en situation idéale pour jouer le héros de la faille. Bon, après, j'imagine que il va clear cette wave, Kryze. Et il peut faire le décalage. Et risque de remonter avec son ulti. Enfin, ulti utilisé si jamais la situation le requiert. C'était un bot récupéré côté Excel. Kryze qui a pu prendre l'e-gold supplémentaire. Et peut-être un catch à trouver du côté des Fnatic. Le GLP qui va toucher Tauré. Tauré qui a pas de flash à disposition. Et du coup, on va prendre le kill pour Reckless. C'est un bon pick-up là-dessus du côté des Fnatic. La T1 mid lane qui est à feu et à sang. Wipo qui va zoner bien sûr avec son Shogat. Et la transition vers le héros de la paille est toute trouvée. Ah, ça enchaîne bien là pour les Fnatic. C'est bon, hein. C'est un bon pick-up. On voit le Glacial Augment qui permet de set up parfaitement les engages du Rakan. Et derrière. On peut dérouler. Patrick un peu isolé.
mais qui ne prend pas de risque, comprenant bien la situation. Ce topside est au Fnatic. Ce Herald est au Fnatic. Ah, quoique en fait, Lucian arrive. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une mauvaise surprise? Ouais, ça peut tenter, hein. Kaedrel qui est là. C'est peut-être pas pour les Fnatic en fait, la TP de Wipo. C'est parti, mais Wipo qui va être repéré. On a bien full out, on se remet bien dans le. Il est où l'œil? Est-ce que l'œil va proc? Kaedrel qui. Je sais pas qui l'a eu, je crois que c'est l'Exen. Non, Toré l'aurait pris sinon, et du coup Wipo va marcher dessus. Wipo. La lumière cosmique qui a été utilisée du côté de Toré, peut-être la réengage du côté de Wipo, la rupture qui a touché pas personne. Wipo, le double kill de Wipo, quelle rupture. Et les Fnatic qui s'envolent, 2000 gold d'avance désormais, le héros de la faille en poche également. Yes. Il le pose loin, Wipo. Ah là là, quel move, quel catch trouvé par les Fnatic, quelle rupture de la part de Wipo. Et instantanément, on accélère, on ne laisse pas le temps au Excel de retrouver ses esprits. Cette T2 qui est déjà au centre du focus Fnatic, Reckless qui poke bien sûr. On a la range pour aller chercher. Et du côté de Kryze peut-être, on a l'assaut inarrêtable pour peut-être punir Wipo, la téléportation qui va être utilisée. Du côté de Special, on va vouloir punir Illicent. Attention, on va pas du tout pouvoir se positionner du côté de Reckless. Illicent qui tombera, Wipo qui peut être en danger. On n'a pas de flash pour Wipo, on arrivera à zoner avec la stopwatch, mais du coup la Jokwebki est ratée, mais le bump de Kryze qui touchera, on ne peut pas tout louper du côté des Excel, l'ultimate qui a quand même été posé sur Toré, mais on prend le pick-up. Ouais, Jokweb est un peu loupé pour Special, mais pas grave, le kill est pris pour les Excel. Et bon, Fnatic un peu rattrapé par la patrouille, et ça veut dire qu'on va perdre le troisième dragon tout de même pour les Fnatic. Donc certes, bon teamfight de leur côté, mais le dragon de Damoclès est là pour les Excel. Ça fait pas les affaires des Fnatic. Mais on a vu en teamfight ce qui était possible pour Fnatic. Et le stuff glacial augment de Wipo est terminé. Donc maintenant il va pouvoir build de la tankiness. Peut-être la stone plate. Ouais. Qui est assez courante avec ce build. Et derrière va mettre des setups pour sa Syndra, pour son Rakan. Il sent qu'un peu trop l'heure. Wipo greedy sur son back. Mais il sent qu'il ramène le Sion sur Reckless. Alors que là, juste, il se met en écran et puis il peut protéger les deux joueurs. Hein. Est-ce que tu vois le même avec le singe en vélo qui poursuit une petite fille? C'est exactement ça. C'est vraiment cet angle de vue, c'est l'impression que ça m'a donné. Ah là là, et malheureusement le shutdown qui a été récupéré sur Wipo qui a fait les affaires des Excel, mais qui sont quand même à 2k gold et demi de retard. Les Fnatic qui ont trouvé une belle accélération sur ce deuxième héros de la faille, et cette T2 à la mid lane qui leur permet d'ouvrir la carte, de proposer des rotations beaucoup plus sécurisées. Oui, complètement Fnatic en contrôle, mais Fnatic qui va devoir commencer quand même à s'intéresser aux dragons, parce que certes ils ont les gold, mais on n'a pas envie qu'une équipe avec du Taric et du Sion ait une âme du Dragon des Montagnes, parce que la frontline des Excel va pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Et le Kha'Zix aussi va avoir du mal à être aussi efficace qu'il le voudrait dans ces conditions. C'est un des problèmes hein, qui pend au nez des Fnatic. Kaedrel, il a été vu, on a utilisé les ombres jumelles du côté de Wipo. Wipo qui est en solitaire là-dessus et qui devra, voilà, s'enfuir. Kaedrel qui met la pression, 7-1 à la top lane qui est déjà condamnée. Maintenant on va trouver le move ailleurs du côté des Fnatic. On peut prendre de la priorité autour de la jungle bot side. On a un dragon dans 3 minutes donc c'est encore loin, mais peut-être mettre de la priorité sur 7-1 bot qui le résiste encore. Ouais, on semble y aller du côté des Fnatic. Wipo qui va reprendre la wave top. Pas de TP pour Wipo, donc attention, s'il y a une agression Excel sur le bot side, bon, elle devrait pas arriver a priori, pas avant 20 secondes tout de même, parce qu'attention, hein, Patrick et Toré qui vont se présenter là du côté de la mid lane. Nemesis, attention, Kryze qui a un ulti hein, avec son Sion. Et du coup, ouais, Nemesis qui respecte, bien évidemment, Reckless et Illicent très avancé sur cette mid lane. On veut cut les rotations. Attention, Illicent qui peut être en difficulté là-dessus. Ça a connecté du côté de Kaedrel. Peut-être qu'on va chercher l'ultimate. Mais non, ça a été raté du côté de Special. Attention, on réengage du côté de Kaedrel pour aller chercher le kick sur Reckless. Et le kill qui devrait être sécurisé. Ça y est, pour le jungler Excel, Reckless qui est tombé. Et Illicent qui n'a pas tout défendu. Aïe aïe, là on a été surpris du côté des Fnatic. Reckless isolé qui n'a pas de flash et qui du coup est un kill assez facile pour les Excel. Bon, tout ça était loin
loin du timing du dragon, donc c'est pas forcément dramatique pour les Fnatic. C'est pas dramatique, mais attention au pick-up. C'est pas la première fois. C'est sûr. C'est le truc. Juste après celui à la mid lane, ça peut être dangereux. Les Fnatic qui se font surprendre sur des timings où ils ne sont pas eux-mêmes à l'initiative. Le truc qui est quand même embêtant, je pense, pour les XL. Oh, cette mec qui met d'énormes dégâts sur Kaedrel. Attention à la rupture. Tous les slows de Bouillon qui flash-in. Peut-être un peu overkill, le flash-in. On a senti la volonté de flash air pour Bouipo et de prendre un peu de poids. Mais le problème pour Excel, c'est quand même que la Kalista, dans toute cette histoire, elle est face à une équipe qui a beaucoup de slow, ouais, beaucoup de CC à distance, et elle est pas bien dans sa game. 0-1, même farm que son adversaire. C'est pas terrible. Hein. Les statistiques, par contre, ils ont pas un très gros baron. Avec Kha'Zix, ça va, mais c'est pas non plus la folie. JLP, Bouipo. On a quand même l'ultimate de Bouipo pour aller chercher potentiellement le double smite. Langage qui va être du côté de Kryze. Reckless qui arrive à éviter. Langage de ce Sion, peut-être. Ce baron nageur qui devrait être sécurisé par les Fnatic. Le flash de self-made. Ça y est, c'est sécurisé pour Bouipo. Et Toré qui est dans la mêlée, qui devrait être tombé. Non, le shutdown de Patrick. Et le déferlement de puissance de Nemesis. On enchaîne, bien terminé. Sûr. Nemesis qui est à la chasse pour aller chercher Special qui est condamné peut-être. Kaedrel qui vient en soutien. Mais c'est trop compliqué. Self-made qui fait la différence. Kaedrel et Kryze qui sont pour. Chasser Gips. Il avait un flash Reckless, il pouvait peut-être tenter son Vatu là-dessus. Bon, c'est pas terminé, hein. Ceci dit, cette mec qui trouve un slow, est-ce que Reckless va tenter... Oh, le skill shot qui est bon du côté de Reckless. Il veut garder son flash Reckless, hein, tout simplement. Il joue parfaitement avec la distance, sécurité, Kryze qui tombe. Et Kaedrel qui fuit et qui tente de trouver un endroit tranquille où il pourra activer son TP back. Et les Fnatic, Baron Nashor. Très très bonne phase de jeu de leur côté, dos au mur, les Fnatic qui savent avoir la bonne réaction. Très bon call cela dit quand même du côté des Fnatic, parce que même si le Baron Nashor paraissait compliqué, il se sentait assuré du smite avec Bouipo. Oui, ouais, mais oui. L'ulti du Shogat fait plus de dégâts que le smite. Et Bouipo qui n'a pas tremblé. Et derrière la re-engage bien sûr, hein. On se sent puissant du côté des Fnatic, ils sentent qu'ils n'hésitent pas. Oh, le dragon. Ils ont pris le dragon. Ils ont pris le dragon les Fnatic, donc même ça qui était le moment, peut-être le spike vraiment, ouais, de Excel, ils voient passer cette opportunité à côté et du coup ça complique grandement la tâche de Excel. Oh, le catch ici, le self-made. Ouh, disparition tout simplement. La Kalista qui implose. 1-3, c'est pas une bonne game pour cette Kalista. On en parlait, c'est pas évident de sortir Kalista de nos jours, Fingin. Et bah, c'est pas une bonne game de. Pourtant, on restait sur une très bonne note. Kalista, Patrick. Après, c'était voilà, un duo qui nous avait bien marqué récemment. J'ai l'impression que les Fnatic vraiment l'ont attendu. On a récupéré cette Senna, Glacial Augment. On a récupéré ce Shogat avec le Glacial Augment également. On empêche Patrick de s'exprimer parfaitement. Et du coup, une Kalista qui est slow, c'est une Kalista qui ne peut pas se positionner. Et du coup, Patrick qui est en grande difficulté actuellement. Ouais, Patrick dans le dur. Et c'est embêtant parce que du coup, ça veut dire que le seul carry d'Excel, c'est Special. Et voilà. Je pense que. Tu peux t'arrêter. J'ai un doute sur le fait que Special soit capable de carry une game contre Fnatic. Même si c'est pas le meilleur Fnatic de l'histoire. Ah, y a encore Kaedrel qui peut trouver un pick-up. Hein. 4-1 pour l'instant, le jungler d'Excel. Et potentiellement chercher un pick-up sur Reckless, sur Nemesis, ça peut faire la différence. Mais Selfmade aussi qui est dans de très bonnes conditions pour l'instant avec son Kha'Zix. 5-0-4 le jungle des Fnatic. Ouais, ça se passe bien pour Fnatic là qui enchaîne. Cette T2 qui tombe. Ouais, maintenant c'est. Ça m'a l'air loose hein, pour Excel honnêtement. Fnatic qui se réveille au bon moment de leur côté. Et qui avec cette victoire, encore une fois, sont pas forcément qualifiés. Mais ils sont en bonne situation. Et du coup, ils reviendraient à la hauteur de Excel. Et potentiellement, ça pourrait se jouer sur un tie-break avec... Ouais. Avec Schalke. Bah, ça dépend. Après, disons que si Fnatic gagne son match de demain... Oui, s'ils gagnent leur match de demain, c'est validé. Enfin, mais s'ils perdent face à SK... Le truc, c'est que Fnatic est maître. Oui. Ils sont maîtres de leur destin. Ce qui n'est pas le cas de Schalke.
En tout cas, les Fnatic qui peuvent pour l'instant se rassurer. La game qui n'est pas terminée, bien sûr, mais passer à 7k gold d'avance avec une équipe qui scale bien. On a quand même un Shogat qui est bien évidemment très tanky et qui peut du coup mettre Patrick en grande difficulté. Une Senna qui a un scaling infini, bien sûr. Du coup, c'est de bon augure, mais ne jinxons pas. Eh bien, écoute, on va voir. Franchement, c'est difficile de jinxer cette game des Fnatic. Hein. D'habitude, c'est plus Fnatic qui come back vers ce, en late game que Fnatic qui se fait voler en late game. Bah, Fnatic est plus un voleur oui, sur vrai. Ce split. Hein. Ils en ont volé quelques-unes, mais c'est aussi l'expérience hein, qui crée ce genre de scénario, je pense. Le smite de Selfmade, tranquille face à Kaedra, il a deux niveaux d'avance, le jungle des Fnatic. Priorité mid, priorité bot, on fait un 4-1. Ouais. Un peu hybride du côté des Fnatic, sachant que Bwipo est encore relativement invisible sur sa présence, envoyé sur la top lane. Attention, parce que Bwipo top, ça pourrait et Nemesis bot, ça pourrait donner des idées au Excel. Ouais. Une engage mid avec Sion sur Senna serait à craindre pour les Fnatic, mais on a le reset, on prend pas ce risque pour Fnatic. Et on va se préparer surtout pour le dragon, une minute. On a tous les joueurs de Fnatic affiché Pink Ward sauf Reckless. Oh Reckless, enlève-moi cette vilaine d'Oran Blade. Par contre, apparemment, Kryze a ulti dans le vent. Ah. Je ne sais pas, je l'ai pas vu où, mais ouais. Le chat a spam ulti Sion. Ouais. Effectivement, je l'ai même pas vu sur le coup. Mais oh Reckless, cette vilaine d'Oran Blade. Mm. Martine, à ton âge. Avec ton expérience. En plus, c'est un gros. On a suffisamment parlé cette année, mais c'est vraiment un des gros défauts de Fnatic, la vision. Oh, self-made, attention. Self-made. Mais il est fou. On okay. a le flash c'est... encore du côté de self-made. Il sent qu'il arrive pour ce commit. Bwipo peut-être pour aller chercher le Glacial Augment. Oh là, belle dispersion des faibles hein, de la part de Nemesis. Et on loupe un peu. On se prend un peu les pieds dans le tapis du côté d'Excel. Ça commence à être le chaos. Et les Fnatic brillent dans le chaos. Quel knock-up de la part d'Illisang. Et on enchaîne parfaitement. Les Fnatic se jettent dans la mêlée. Cette fois-ci, Reckless décide de mettre son flash in. Et pas pour n'importe quelle condition. Pour aller chercher un triple kill. Oh mon dieu, ce skill shot de la part de Reckless une nouvelle fois. Et les Fnatic qui vont s'imposer, peut-être aller terminer le match ici. Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de le faire? On n'a pas de creep pour Fnatic, c'est pas la fin du match maintenant, mais on a beaucoup d'avance. Beaucoup, beaucoup d'avance. Et transition, on a pris la priorité bot mid et on va vouloir peut-être se projeter sur le Baron Nashor, mais Selfmade est pour l'instant sur le Dragon des Montagnes. Et Selfmade qui avait vu, c'était du full bait. Il avait vu, ouais. C'est un peu bizarre quand même ce qu'il a fait cette main, mais bon, ok, ça passe. Notamment, Kaedrel là se fait bien cancel. Derrière, l'ulti de la Kalista marche pas. Un peu naïf, limite, d'utiliser l'ulti Kalista. Et le truc, c'est que les Excel s'enferment là. Ouais. Ils s'enferment énormément. Et là, Illisang. Superbe. Nemesis qui follow-up. Très propre là-dessus, Illisang, hein, qui, une fois de plus, nous rappelle qu'il peut osciller entre le pire et le meilleur. Et sur ce genre d'engage, il montre qu'il peut être potentiellement un support de grande classe. Bah Rakan normalement c'est vraiment un top pick pour Illisang. Ouais, comme Pyke pourtant. Bah après quand il joue Pyke, il fait ce qu'il faut en early game. Il se tombe leur lit, hein. Pyke c'est pas un champion de late game et pas un champion de team fight. Donc du coup c'est pas forcément une méta qui correspond énormément à Pyke. C'est ça aussi le truc, oui. Tu vois, mais après il gagne ses early avec Pyke. Hein. C'est vrai. Mais par contre en team fight il peut pas faire ce qu'il fait avec Rakan, ça c'est sûr. 6-0-6 pour Selfmade, le retour. Bah Selfmade qui nous a fait pour l'instant un early game assez convaincant, hein. On a donné la priorité à la Bwipo, on a pu aller chercher potentiellement des priorités ici et là sur les différents sur les différents ganks à la bot lane. Et puis derrière les pick-up qui ont aussi fait la différence bien sûr, hein, avec Bwipo qui a été là en soutien. On se souvient encore du catch sur la top lane où il a tenté le flash air, mais c'est Selfmade qui a passé le dernier Q-spell sur Kaedrel. Mais du côté des Fnatic, le Baron Nashor, Baron Powerplay qui est en cours, encore une 45 clips, et pour l'instant, on set up les waves. Effectivement, on laisse Selfmade en solo s'occuper de cette wave top. Attention à la prise d'initiative d'Excel, Kryze qui est en embuscade.
Cette ultition, hein, c'est le seul vrai danger pour les Fnatic. Être surpris par une ultition qui part de loin. Et on ne se presse pas sur les waves. On coordonne pas si bien que ça avec la mid wave, je pense. Ça va quand même. C'est pas si mal pour les Fnatic. Ryze. Ah, Wipo. Prend beaucoup de dégâts. Oh mon dieu, les dégâts. Qu'est-ce qui a mis ça? C'est Reckless. Reckless commence à taper dur avec sa Senna. On est à niveau 15. On doit avoir pas mal de stacks de passifs à son actif. Attention Ulyssant qui pourrait peut-être se faire catch par Kaedrel, mais on peut se repositionner avec Rakan bien sûr. Nemesis d'ailleurs niveau 18 aussi avec sa Syndra. Deux levels, non maintenant qu'un seul level d'avance face à la Special. Et on fait fonctionner le 3-2, 1-2-2. On met du baron sur toutes les waves hein, du côté des Fnatic. Ah, est-ce que les XL vont pouvoir engage? C'est difficile hein, on a ce Sion, on a ce Kalistarik. On essaie de forcer Ulyssant et Nemesis à reculer, mais du coup c'est bien évidemment Reckless qui peut se positionner. Reckless a pas de flash, hein. Les XL gagneraient quand même pas mal à tenter leur Vatu sur Reckless plutôt que d'essayer de défendre un peu mollement toutes les lanes. Et ils vont même se faire attaquer par les Fnatic qui reprennent l'initiative. Oh, et Ulyssant. Regardez, c'est les Fnatic qui se mettent en place et qui forcent un ulti Kalista défensif. Oh, les XL, ils devraient tenter leur Vatu là, c'est lose. C'est le moment ou jamais de toute façon. Et pour le coup, les XL qui se sentent peut-être écrasés par le poids de la pression là-dessus, qui ne veulent plus tenter. Peut-être, mais bon, ça me paraît bizarre parce que c'est pas avec le scaling de Kalista qu'ils vont gagner. Ouais. Et encore une fois, là, c'était une situation où Fnatic est obligé un peu de jouer sur toutes les lanes pour essayer de rentabiliser leur baron. Donc, moment qui peut être un peu dangereux en termes de positionnement avec Kalista et Sion. Dans l'idée, il y a moyen d'aller chercher une hard engage, mais maintenant, c'est, enfin, l'opportunité est un peu terminée parce que les Fnatic vont se regrouper pour le prochain push et en teamfight regroupé, là ça m'a l'air difficile pour XL à moins d'une shockwave exceptionnelle de Special. La Special qui est partie sur un stuff très scaling avec Sariana. Ouais. C'est pas censé être impossible hein, la bonne shockwave pour Special face à des champions comme Syndra et Senna. Mais surtout qu'il a son flash, mais après bon, je crois pas trop à un exploit de Special, je dois avouer. Pauvre Special qui s'attire les foudres de Chips. Non, même pas. Je pense que c'est le moins bon midlaner de la ligue, tu vois, mais... Enfin, je serais surpris qu'on le voit toujours l'année prochaine, quoi. Ouais. Il y a tellement des rookies de fous. Genre, pourquoi tu garderais Special quand tu peux investir comme... sur un mec comme VTO par exemple, ou enfin voilà. Ouais. Special qui peut avoir potentiellement une tentative de comeback des XL. On a le flash, on a la shockwave et potentiellement juste éviter de se faire bait par Ulyssant comme tout à l'heure. Que ça a pu poser quelques soucis du côté du teamfight XL. Lorsque la shockwave ne passe pas pour Special, on est vraiment en manque d'une grosse source de DPS quand même. Oui. Bien d'accord. Allez Fnatic, c'est un dragon tranquille. Wipo qui mange. Wipo qui... Ah, je serais curieux de voir son nombre de points de vie là. Ceci dit, on peut compter avec les petites barres. Il doit être à 4k HP là. Ouais, pense. Largement. Il a encore pris, une cinquantaine là-dessus sur le dragon. Ouais, bah c'est ça. 3k8. Solide. Très très solide. Du coup l'Iron Solari fait plutôt plaisir. Snowball bien sur les HP. Allez Fnatic, il faut terminer le travail. Hein. Un Ulyssant, le stun qui passera pas pour Toré. Ah. Le bump par contre, il va aller chercher pour aller potentiellement prendre le kill sur Toré. Mais on se repositionnera bien pour les XL, peut-être aller chercher Wipo. Et du coup, on va se repositionner derrière la lumière cosmique de Toré qui fait la différence, mais qui devrait se faire shutdown. Oh, Nemesis qui prendra le kill, la shockwave qui est touché, cette fois-ci du côté de Special. Mais Reckless qui prendra le kill avec sa Senna. Wipo qui est dans la backlane et qui tente indéfiniment. Oh, la rupture, c'est la rupture décisive là du côté de Wipo qui va tomber. Mais ça permet de faire le travail. Special qui reste vivant. Le relais d'Ulyssant et sa flash in pour le Fnatic, mais on ne parvient pas à prendre le kill sur Special. Kryze se bat comme un diable, il finira par tomber. Et c'est fait, il est en train de danser là cette main. Semblerait-il. Bon. C'est Oscar, donc on va dire ok, mais il n'y a pas de quoi faire le malin chez Fnatic vu cette fin de saison. C'est clair. Enfin bon, c'est self-made, c'est le genre, donc c'est pas grave.
Et victoire des Fnatic qui doit faire très très plaisir à tous les gens qui étaient si tendus devant leur match. Rakles, la petite tape sur Illisang, un très bon Rakan Illisang. Il nous a fait rarement paire sur ce champion. Belle paire de la part d'Illisang qui cette fois-ci nous aura proposé ses spéciales morts sur les différentes phases de rotation qui nous a fait vraiment des très très belles engages, un bon peel aussi. Bref, les Fnatic qui ont bien joué dans l'ensemble. Absolument, absolument. Fnatic solide sur ce match. Ils ont su faire les bons plays en early game. Ils ont été agressifs. Tout n'était pas non plus pixel. Hein. On a perdu pas mal de dragons. Mais en même temps, ça jouait sur le side de la Kalista qui était censée être forte en early game. Donc, ils ont repris les choses en main au bon moment. Bwipo m'a un peu trigger à peut-être un peu trop tarder à reset, ce genre de truc. Mais en réalité, c'était quand même une bonne game de Fnatic, tu vois, je trouve. Ouais. En tout cas, c'était mieux que ce qu'ils ont proposé récemment. C'était une victoire convaincante où ils ont commencé à snowball et derrière, ça ne s'est pas arrêté. Et je pense que pour ça, ça doit être souligné. Et surtout, on est juste avant les playoffs. C'est plutôt bon signe pour Fnatic, même si je pense que l'équipe a encore beaucoup de travail. Il y a du travail, mais ils ont eu Senna. Il y a eu Senna aussi. Ils ont eu Senna. Et Rekkles qui a quand même absorbé pas mal de pression. Hein, parce que du coup, Kaidrel qui était tout le temps là, on a réussi à ne pas trop se faire dive du côté de la botlane Fnatic. Et on sait que ça a pu être une erreur longtemps soulignée, cette tendance à mourir en début de partie. Bwipo qui est mort une fois, mais on était, je crois, 4 sur la top lane à ce moment-là. Du coup, effectivement, c'est aussi un peu plus compliqué. On aurait pu quand même trouver le reset pour aller chercher potentiellement un petit peu plus de tankiness. Il y a des choses à corriger, mais il y a quand même de quoi se rassurer. Selfmade qui a fait aussi une très bonne perf. Qui est mis aux dégâts de la game, un self-made tout simplement qu'on retrouve sur ce match. On l'avait perdu depuis quelques semaines. Self-made lui-même, quand il s'exprimait sur Twitter, semblait dire que voilà, il n'arrivait pas à trouver à retrouver une bonne dynamique, tu vois. Mais il est de retour. Nemesis fait un match correct également de son côté. Il y sent très bon match, je trouve, avec son Rakan, vraiment. Voilà, honnêtement, beaucoup de signaux positifs pour Fnatic, qui se rassure, qui n'est pas qualifié à 100% les playoffs, mais on avance. Et au passage, du coup, Vitality et Misfits qui ne peuvent plus accéder aux playoffs. Donc ça commence à s'épurer un peu. On commence à avoir de moins en moins de possibilités. On va voir ce que ça a donné pour la suite de la journée. On a le match suivant, c'est Misfits. Non, Misfits G2, pardon. Si, avant le match de la semaine entre Rogue et Mad Lions, on va se laisser pour quelques minutes. Interview et Misfits contre G2. A tout de suite sur Gaming.